avec tout ça. Il s'intéresse peut-être à Brooks. D'accord, merci. La police a retrouvé la voiture de Knight, près de la forêt de l'Essen. Et alors? On leur a tiré dessus. Il y avait un corps près de la voiture, non identifié. Allons-y. McGee. Je vais au département de la justice, voir ce qu'ils veulent à Anna Brooks. S'ils savent qui en a après Jimmy et Knight, il nous faut toutes leurs infos. Mettez-leur la pression. Pas de problème. Je vais éviter de souligner qu'une fois de plus, j'avais raison. J'admire ta modestie naturelle. Apparemment, c'est abandonné depuis un moment. Qu'est-ce qu'il faut? Une pince, de quoi nettoyer la blessure. Et une aiguille et du fil, ça serait génial. Un chiffon? Oui. Il y a une demi-bouteille de whisky. Ça devrait aller. Ok, on a de la chance, il y a un petit kit de couture. Okay. Pas de pince. Oh, j'ai un couteau de poche. Quand tu dis qu'on a de la chance, je suis pas tellement d'accord. Ok. Bonne chance, Doc. Attends, attends, c'est toi qui vas le faire. Moi? Pas question. Et je peux pas atteindre l'arrière de ma cuisse. Pas question. Tu sais quoi? La route est pas trop loin, on devrait attendre. Je croyais qu'il y avait des tueurs juste derrière nous. Et ça, c'était avant que... Ça, c'était avant que tu me demandes de t'enlever une balle de la fesse. Ok, alors d'abord, elle est dans ma cuisse, et ensuite, je vais te guider. Enfin, je veux dire, ça va être facile, hein, un jeu d'enfant. Tu verras. Ok. Ok. Un jeu d'enfant. Hey, Jess. Tu vas y arriver. Prends le whisky. D'accord. Tu es censé le verser sur le couteau et sur la blessure avant de... Tu sais quoi? Passe-le-moi, merci. Allez. Ok. Commence par faire une incision pour agrandir la plaie. Ouf. Mais super bien, t'inquiète. Ça va, ça va. Ok, ensuite, il faut que tu extraies la balle. Mais fais-le avec les doigts, pas avec le couteau. Je fais ça avec les doigts. Vite, avant que le whisky atteigne ton système sanguin. Ok. Ok, Jimmy, je la trouve pas. Désolé, on devrait pas faire ça, on devrait attendre. Tu t'en sors à merveille. Je t'en prie, continue, continue, continue. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mariage? Tu veux vraiment en parler maintenant? Tu veux qu'on parle de ça ou du fait que tu me touches les fesses? Je suis en train de te toucher la cuisse. Je croyais qu'on s'était bien amusé. En fait, je suis sûr qu'on s'est bien amusé. Depuis le mariage, tu fais comme si c'était rien passé. Et... Jess... Tu me plais vraiment, tu sais. Et je crois que je te... Oh, je l'ai! Je l'ai! Ok, une seconde. Ok, chiffon, chiffon. Voilà. Et maintenant? Maintenant, tu me recous. Oh, Jimmy, je suis nulle en travaux manuels. Mais tant pis. Vas-y. T'as raison. Tu me plais aussi. C'est vrai? Ok, s'il te plaît, faut que t'arrêtes de t'agiter. Oui, tu me plais. Mais... T'es l'un de mes meilleurs amis. Et je veux pas risquer de perdre ton amitié. Oui. Oui, ça serait vraiment dommage. Je veux juste te dire une chose. Quoi qu'il puisse arriver entre nous un jour, on restera toujours amis. Je n'ai jamais entendu parler de...